Coucou Start, coucou mes chéris, allo c'est Barbie chétif à l'appareil, on se retrouve dans les conditions du direct et la découverte pour cette 7495e review de merde avec un jeu qui n'est-il pas merdique du tout, puisqu'il s'agit de Extreme Roller. Non mais là en plus j'ai même pas pu choisir, problème de manette peut-être. Putain la musique horrible, déjà ça commence bien. On va choisir la langue. Voilà, vibration, nickel, là on est bon. Allez, donc c'est un jeu qui est développé par Microids, et la plupart du temps les jeux Microids, hein, désolé, mais tous les jeux Microids que j'ai eu sur PS1, c'était des jeux mal faits, mal foutus les potes. Start. Alors on a Blacky, on a Mae, on a Alaki. Non, on a Blacky ou machin. On va prendre la meuf, oui, qui a plus d'équilibre, voilà. Je m'attends pas à grand chose de ce jeu. Je sais pas si ça va être comme le Street Skater. Ou est-ce que ça va être... Faut voir. C'est des jeux, soit c'est une course, on peut faire quelques tricks, mais c'est mal fait comme Street Skater, où il y a très peu de pistes. Soit c'est plus libre, et il y a beaucoup plus de choses amusantes à faire pour les Poké épiques du Poc. Strider. Donc déjà on a une petite démo, un avant-goût. Est-ce que c'est comme Anthony Hawks? Là je vois qu'il faut récupérer du temps. Donc il y aura un timer. Bon, les décors sont pas top. Ce qui va être intéressant, c'est est-ce qu'il y a un bon gameplay et est-ce qu'on peut faire des choses rigolotes dans cette ère de jeu. Alors attention. Accélérer X. Hop, alors, petit temps mort exprès. Freiner avec bar, d'accord. X accélérer, rond, utiliser un crowd pleaser. Faire un saut avec carré et triangle figure, ma foi. Ouais, par contre c'est lent, c'est... Oh purée. Ouais, c'est comme Street Skater. Oh putain, c'est comme Street Skater. La caméra, elle le bouge. Pareil. Alors, on peut faire. Whoop, purée, whoop, pauvre, whoop. Par contre, c'est un petit peu rigide. Je fais... Alors, normalement, c'est triangle. Ouais, j'ai fait un glide. D'accord, mais là, le point ne sera pas compté. Relève-toi. Donc X, mais je laisse appuyer sur X, vous voyez que c'est lent. Avec R2 et L2, on a une jauge de boost, ça permet d'aller plus vite. Ah oui, il faut qu'appuyer sur bas. Donc il y a 3 tours. Mais là, j'ai plus le temps. Et là c'était la nitro, ouais non c'est compliqué hein. C'est un peu comme Street Skater sauf qu'on doit recommencer. J'espère que c'était en jaune hein, qu'on choisit. Sinon ça va être encore un temps de chargement. Donc là on va pas trop faire le con verdier, on va aller plutôt Alors, on a des points. Et non. On va récupérer. Et avec triangle et une flèche, on fait un... une figure. Hop, on va essayer de... Putain, si même elle se prend le mur. Alors déjà, c'est plus, plus moins mieux que... plus beaucoup mieux que Street Racer. Et là j'ai pris les fameuses flamèches, donc on va pouvoir aller un peu plus vite. Sauf que là une fois qu'on les utilise, on peut pas en utiliser, on peut pas l'arrêter. Allez hop, on n'a pas beaucoup de temps. Putain, plus que 20 secondes alors que j'ai pris des trucs. Attends. Mais j'ai pris deux timers là. C'est quoi ce jeu?
quoi en bas? Je comprends pas, j'ai pris des timers, les cloques là. Allez, avance! Je comprends pas, on va refaire sans rien faire. Voilà. C'est vraiment un des problèmes des jeux Microïd, c'est que sur le papier ça a l'air super, ils ont fait chier à faire un moteur graphique, même si c'est assez raide, je dois l'avouer. Accélérer, utiliser un crowd, c'est rond, je pense que c'est un crowd. Tamponner avec R1 et L1. Merde. Je sais pas à quoi sert l'horloge puisque ça ne marche pas. Donc là j'ai fait le truc vraiment tout con. On va juste faire le tour. Putain, ça défile bien vite. Là je prends un. Ah non putain, on gagne 3 secondes. Donc là je vois pas comment on peut faire des points hein, parce qu'on n'a pas le temps si on veut faire 2-3 sauts. Bah là ça a pas marché. Oh putain. Putain, même en allant lentement, on se tamponne. Putain, c'est mou. C'est mou et rigide à la fois. On a le temps de rien faire. Ils se sont fait chier à faire un petit décor. Non, voilà, encore un problème. Pas jouer 3 heures non plus, ça me gonfle. Non, mais là, c'est bon, quoi. Comment vous expliquer, on a l'impression que... Comme ça, en capture, on se dit, ouais, c'est pas mal. Mais quand on l'a en main, on trouve ça rigide. On a l'impression que... Le moindre petit recoin, c'est un angle obtus. Et non. C'est un angle obtus et on va se tamponner. Et là, même en faisant rien, en essayant de pas perdre... Putain, mais avance! Putain, connasse! Mais même en faisant... Ouais, quitter, merde. On va voir s'il n'y a pas un autre mode de jeu, parce que... Là, déjà, pour moi, c'est imbaisable, hein. Exhibition. Putain, Stuntfest. Extreme Race. Alors c'est peut-être que là on va pouvoir. On va pouvoir peut-être. Bah là on va prendre. Oh Tina. Strider. On va prendre elle. Elle est rigolote. Bon, pour l'instant, j'ai encore rien de disponible. Ok, c'est un jeu, bon. Je pense qu'il n'y aura pas grand chose à faire. Il y a combien? 9 circuits. 33 niveaux sur 9 circuits. Je vois pas trop la différence, mais bon. C'est-à-dire qu'il n'y aurait que 9... Oh putain, qu'elle est mal faite, elle a même pas les cheveux mauves. Ah oui, peut-être que le R s'est tamponné. Allez, saute! En fait, il faut tapoter X, faut pas laisser appuyer. Quoique là, j'ai l'impression qu'en laissant appuyer, ça accélère. Vraiment dommage parce que c'est des trucs. Putain, ça, là, ça lag chez moi, il y a vraiment un problème de fluidité. Alors, est-ce que R1 c'est se tamponner? C'est-à-dire que quand je fonce contre quelque chose, si j'appuie sur R1, elle met les deux points en avant. Ah oui, c'est ça, et du coup, elle prend pas de coup. Ah ben là ça m'a enlevé les... Prends ça! Mais c'est pas plaisant quoi, c'est... J'ai tamponné mais c'est tellement raide. Avance! En plus il n'y a que des angles droits et ce jeu en fait dès qu'on touche un peu on est bloqué. Donc c'est vraiment mal fait je trouve. C'est dommage parce que c'est... Il y a plus de... Ah putain, il y a plus de liberté. Ben, j'ai perdu du temps là. Ben, c'est sûr, s'ils me font un truc à la con comme ça, il y a plus de liberté qu'un street skater. Mais ils ont pas su en tirer parti. Voilà, c'était la phrase du jour. Oh putain, les murs qui on voyait pas. Dommage. Et du coup, bon. On s'en tamponne de pouvoir tamponner. Les ennemis parce que c'est on n'a pas trop le temps en fait.
Les virages sont trop raides. Ouais, j'ai pas pu la toucher. Et c'est vraiment raide, hein. Je veux dire. Pousse-toi! Putain, fallu tamponner. En fait, quand on tamponne les deux points en avant, si quelqu'un nous vient par derrière, voilà, je l'ai touché alors que j'étais super loin. Donc ils ont rétabli, rééquilibré le truc. En tout cas, c'est pas plaisant. On a l'impression qu'il y a 3 images par seconde. C'est saccadé à fond. Je cherchais le mot depuis tout à l'heure. Jamais vu un jeu PS1 autant saccadé. C'est horrible. Hein. Alors dans la capture, peut-être que vous ne verrez pas parce que c'est, ça va adoucir les mœurs. Alors, il n'y a pas de différentes caméras. Putain, j'ai appuyé exprès sur le R1 pour tamponner. Donc on va plus vite quand il y a une pente descendante. Pousse-toi! Putain, on peut même pas prendre. C'est en aveugle, c'est comme Street Skater quand on saute. Quand on veut faire un trick, on est en aveugle, la caméra elle change. Et on voit rien, on sait même pas où on atterrit. Et du coup, ils ont mis exprès un con de. Un truc et on voit rien. Ils ont mis un tonneau exprès pour qu'on se prenne à la gueule. Là, la pente, il faut laisser appuyer et ça marche pas, donc je suis obligé de tapoter. Horrible les élans là qu'il faut prendre. Mais ils l'ont testé leur jeu, c'est pas possible à chaque fois. Putain merde, ces jeux Microïd ils font de la merde, ils gâchent tout. C'est pire que les jeux Phoenix Games ou Davilex. Putain, ils font chier ces gens alors. Je suis sûr que c'est des Français en plus. C'est des jeux ni fait ni à faire. Là, pourquoi avoir fait la. Allez, c'est bon. Pas que ça, Nadou. Ils ont mis un tremplin juste après, on peut pas parce que on se prend le mur. C'est nul alors. Aucun plaisir. Quitter, on va faire autre chose et après je m'arrête là parce que je vais pas rester une heure sur ces jeux. Hein, non. Je veux bien être tolérant, je sais pas quoi. Mais là c'est de la merde donc on va s'arrêter là. Hein. On peut pas. Ah voilà, on peut pas. On va faire time attack. On va prendre nos strider. Et là pour l'instant on peut pas faire autre chose que. Ah voilà, Megan. Megan Streets. Dommage, hein. Ça je l'ai vu 1€ ou 2 maximum. Parce que je pensais bien qu'il y avait Microïd ça. Oh non, pas mal de décors. Start. 2 secondes, je vais vérifier la notice pour pas dire du mal alors qu'en fait non, oui, accélérer c'est X, mais ils disent pas s'il faut tapoter ou s'il faut laisser appuyer. Or dans les pentes montantes, eh ben si je n'appuyais pas ça marchait pas. Les figures, triangle plus gauche ou droite ou haut et bas, ok, et après les grinds c'est pareil, on fait triangle quand on est sur un bord. Et pas quand on est en l'air. Et là, on fait encore les 4 trucs. Il y aura un roller shop pour acheter des équipements. Et c'est tout. Et quand vous tournez, donnez une petite poussée en pressant la touche X. Et regardez ce qui se passe. Cela peut être une bonne technique pour les virages serrés. Pour accélérer plus vite, quand vous retombez d'un saut, utilisez le flaming grill en pressant sur R, L ou 0. Bah foi. Mais non, je vois pas en quoi le fait d'appuyer sur rond. Sinon, si je n'ai pas attrapé de flaming grips, de flamme la nitro, ça peut pas marcher. Hein. Donc, je comprends pas trop ce qui est, où ils veulent en venir. Là, je pourrais prendre la nitro, mais sauf que. Putain, j'étais à côté. Musique de merde. C'est des jeux qui sont sortis après Mario Kart et tout.
Ils font un système où c'est frustrant, c'est rigide, c'est saccadé, il n'y a aucun plaisir, et c'est les consoles qui sont sorties bien après, hein. Donc ça fait toujours plaisir de voir qu'une régression grâce à la technologie. Et là, c'est le Time Attack, celui qui fait le meilleur truc. D'accord, là, j'ai mur invisible. Super. Je sais pas contre quoi j'ai cogné. Et je m'en pogne. Je comprends pas quelle est la technique. Horrible. On doit prendre un petit peu des risques et tout, se dire tiens, allez, on va essayer. Et là, on va appuyer sur quand ça sera le bon moment parce qu'il n'y a que des virages. Super. Eh ben. Putain, c'est quoi ces virages? C'est horrible. Allez, fais contresens. La caméra est chier avec les angles, on comprend rien. Minable ce jeu, c'est pas possible. Mais cette musique n'arrange rien. Tout est merdique dans ce jeu. D'accord. C'est censé être un truc, mais on n'a aucune visibilité. Pourquoi? Ah oui, tour 3 sur 3, le meilleur tour des 3. C'est de passer par la droite. Est-ce que c'est plus rapide par là? Et après je m'arrête parce que ce jeu n'en mérite pas. Ne mérite pas qu'on y prête attention. Là, il faut appuyer un petit peu sur X. Attention. Alors là, je vais prendre par la gauche exprès et je vais rester toujours collé à gauche pour voir si c'est ça qu'il faut faire. Là, je suis pas tombé une seule fois. On va prendre un risque parce qu'on n'a aucune visibilité dans ce jeu. Waouh, vite, enculé. Fabuleux. Quel plaisir de jeu. Impressionnant. Points. Minable. Encore une fois, Microïds nous a sorti un jeu pourri. Toutes les raisons que je vous ai citées. Et j'en suis le premier déçu parce que moi j'aimerais bien m'amuser quand j'achète un jeu, que ce soit marrant. Et puis en fait, c'est pas amusant et c'est pénible. Sur ce, ciao Pépito, à plus mes puces pour une prochaine vidéo. J'ai mis tout dans le désordre.